Aujourd'hui, salut, je vous aime. Salut tout le monde. Hello. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu sur YouTube. Ça s'appelle YouTube Quiz. YouTube Quiz. Non, mais c'est vrai qu'on a un signal, on a un groupe signal et Maxence nous a envoyé ça il y a quelques jours. On s'est dit stop, c'est un sujet de vidéo, c'est bon. On ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam. C'est les éditions 404. Si, c'est un gars qui s'appelle Alexandre quelque chose. Regarde. Alain Tépuis-Ségur. C'est Alain Tépuis-Ségur qui a fait ce jeu. Ça n'est pas une sponsor. Pourquoi ça les fait rire le nom? Parce que j'ai dit c'est un Alexandre et j'ai vu que c'était Alain. Mec, c'est un gros délire. Ah là là. Ça commence par la vidéo. Le là. Délire est très très chaud là. Quand il y a le TER du délire qui passe, t'as ton passe Navigo. Je vous revois là maintenant. Oui, c'est vrai que ça fait des mois qu'on s'est revu il y a 10 minutes et vous êtes bronzé et beau et voilà. Oh! T'es une chnoune. C'est vrai? Oui. Bon, on va la garder. Ah oui. Tu la gardes. Elle est là. Chez vous, à vous de jouer, vous pouvez trouver la chnoune. Donc ce YouTube quiz est sûrement cool, mais apparemment c'est des questions qui datent un peu, 2016, 17, 18. On a hâte de voir si on répond. D'ailleurs, essayez d'y jouer, j'ai hâte de voir, parce que les plus jeunes d'entre vous peut-être ne savent pas du tout jouer, n'auront pas les réponses. On ne sait pas s'il est bien ou s'il est pas bien. Mais on en fait quand même une. Et on y va quand même, ça n'est pas une sponsor. Voilà, ça n'est pas une sponsor. Alain Tépuis-Ségur. Tépuis-Ségur. Sera peut-être content ou pas content, ça dépend de ce qu'on ressent à propos de ce jeu. Allez, c'est moi qui commence. Allons-y. Top. Très bien. En fait, c'est pas moi qui... Il y a deux équipes, l'équipe de Maxence et moi-même qui s'appelle... Écran cathodique. Et l'équipe de David et Léo qui s'appelle... Les Léopold et McFly. David. Il m'énerve. Il m'énerve. On se met d'accord sur un nom. On se dit Léopold et David, c'est ça qui c'était rigolo. Très flou au moment où on l'a décidé. Non donc Non, c'est très clair. Ouais. Ce jeu sera-t-il nul ou bien ou pas bien ou un peu nul ou moyen ou génial? Vous le saurez après la page A4. Il y a plusieurs thèmes, humour, culture, gaming, lifestyle divers. Je remarque que sur la première page, il y a le hashtag Norman déjà, qui fait que le jeu est un poil daté. De quelle date date ce jeu? 2018, je crois. Vous voulez quoi comme thème? Humour. Les mecs... Je vous connais bien, vous. Hein. Je tire une carte au hasard. Facile, moyen ou difficile? Moyen. Ça vaudra donc 2 points, sauf si vous répondez en cash, sans le QCM, et donc là, ça vaudra 4 points. De quoi a parlé la seconde chaîne d'Andy Raconte, So Andy? Oh merde, c'est bien. Alain, bravo. Viens, on demande le QCM, non? Ok. De beauté et de mode, de sa vie de tous les jours, de son chien Riz. Tout est possible. Parce que Riz, je le vois pas avoir une chaîne dédiée. Si, si, c'est son chien Riz. Ouais, ouais, bien sûr. Beauté et mode, s'il te plaît. Votre réponse c'est est validée? C'est la réponse, ça, oui. Ouais. C'est pas un thème, ok. Et c'est la bonne réponse, ça vous fait 2 points, bravo. Bravo, bravo. Oh là là, j'aime bien pour l'instant, alors après je m'enflamme très tôt. Hein. Mais le niveau est cool. Vous avez gagné, on repose, vous avez le droit de choisir un thème entre humour, culture, gaming, lifestyle et divers. Je laisse Léopold poser. Vida, t'as un vrai charme. Hein. T'es gentil. Mais c'est pas du tout de l'humour, la question d'avant. Si, elle fait de l'humour. Elle faisait de l'humour. Voilà. Et savoir que maintenant, elle fait des trucs de déco d'intérieur. Oui, elle a retapé une maison. Mais elle vient de sortir son timelapse de 2 ans où elle a retapé sa maison toute seule. Et alors? Pas vu. On a demi-info. Vous choisissez quoi? Divers. On va rester sur moyen, non? Depuis 2016, les youtubeurs ont constaté une défaillance dans l'algorithme de YouTube. Quelle est la conséquence principale? Ah, donc les jeux sont vus. Ouais, le blocage. Tu crois? Je pense que c'est ça. Vous tentez un cash? On tente un cash avec blocage à 301 vues. Mec, ça me met nostalgie de fou. Ouais, je pense que c'est ça. Attends, est-ce que vous voyez les réponses? Oui. Ah, ouais. Du coup, on voit dans votre regard si... C'est non, où? Non, là, elles sont pas marquées. Ah oui. Oui, oui. On voit les réponses, mais là, on voit pas les réponses. C'est ça que je veux dire. On tente le cash? Let's go, cash. Le cash, le blocage des vues à 311 vues. Non. C'est quoi? Ils perdent des abonnés dès qu'ils postent des vidéos. Ah. C'est pas un bug YouTube, c'est vraiment... C'est juste que les vidéos que les sont... Gens les vidéos sont juste nulles à chier, quoi. Il y a vraiment une période comme ça, ça vaut pas. Bah si, nous, ça nous est arrivé quand c'est moins bon, la vidéo. Bah oui, voilà. Parce que donc, je trouve que nous, en plus, c'est présentement à partir de 2016-2017 qu'on a commencé à mettre des vidéos et à gagner plein d'abonnés. Ton menton est plus en avant. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Depuis tout à l'heure, je... Oui, c'est vrai. T'as remarqué? Putain. Tu le muscles un peu? Merde. C'était un prank. C'est pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il regardait pas les... Le prank génial. C'est trop bien. Il a craqué. C'est ma tête normale. Allez, je vous pose une question. Allez. D'ailleurs, on a un cri. Oui, le petit cri. Ah, vous avez un cri? Léopold et McFly. Vous choisissez humour, culture, gaming ou lifestyle ou divers? Petit trèfle, là. Dragon Ball.
Illusion. Vas-y, on prend une difficile, nous, on y va. Quel duo de youtubeurs s'est fait connaître... Oh non, arrête. C'est une diamond, ça? C'est une diamond, ça? C'est easy de fou. Non, ils sont trompés. Bah, non, mais non. Attends. Non. Quel duo de youtubeurs s'est fait connaître grâce à 10 minutes à perdre? Est-ce que c'est Bat et Gaël, McFly et Carré? Mais on aurait fait un cash. Ah, on avait la réponse. Cash, Bat et Gaël. Vous êtes sûr? Ce qui est amoureux et content. Okay. McFly et Carlito dans les propales. Bon, bah bien joué. Ça fait 2 points. Non, ça fait 6 points précisément. On a fait cash. Quoi? C'est 6 points, points le cash pour le... Sur la question la plus facile. Oh, viens, on met que des diamonds. Allez, allez, on fait notre petite danse de la victoire. C'est quoi cette diamond de ouf? Les gars, excusez-moi, votre question était ultra facile. On va prendre autre chose. Vas-y, viens, on prend culture. Allez, culture. Faut qu'on analyse, voir si les diamonds sont plus simples. Non, normalement, vous voulez silver, gold ou diamond? On se met sur un goldie. On se met sur un goldie, goldou. Allez, un petit goldie doux. Sur la chaîne Lama Fâché, à partir de mai 2017, la voix off est masculine. J'ai pas compris. On a le droit. Non, mais au moins, ils ont compris si c'était... En plus, mais je peux pas juste leur dire la voix off est. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est vrai que c'est bizarre pour demander un cache là-dessus. Est-ce que c'est un lama qui raconte? Je sais pas, je suis un peu énervé. D'après moi, je pense que c'était un homme au début, puis c'est devenu une femme. C'est possible. Alors, je veux bien entendre les propositions. Masculine, féminine, masculine ou féminine? Attends, c'est quoi ces deux? Masculine, féminine, masculine ou féminine? Ah, bah c'est masculine ou féminine. Réponse 3. Et la réponse était... Masculine. Ah, c'est tout, ah, putain. Mais oui, en plus, c'était l'époque où on... Mais si j'avais réfléchi, je le savais. C'est un gars qui faisait plein de voix off sur... C'est ça? C'est dommage, ouais. J'aurais juste dû réfléchir. Ah ouais, ouais, c'est con. Humour, lifestyle, divers. Gaming. Gaming. Gaming, allez. Tu dis je stop. Je suis pas très bon en gaming. Moi non plus. Ok. Stop. Imagine, j'aurais pas dit stop. On m'aurait pas posé de question, mais fin de vidéo. Vous préférez facile, moyen, Diamond. Difficile? Dans le court-métrage de Cyprien, La Cartouche. Ah, je m'en souviens très bien. Quel est le jeu contenu dans la dite cartouche? J'ai joué dans ce court-métrage. Mais oui. J'apparais à la toute fin. Et tu t'en rappelles pas? Non. C'est vrai que t'as joué. Tu fais le daron? Tiens, regarde. C'est inspiré de l'histoire de J'étais Gabi. Il faut dire, Cyprien, quand on a commencé, a été un des premiers à nous inviter à faire des trucs sur sa chaîne et tout, alors que personne à l'époque. Ouais, tout à fait. Et vous souvenez-vous que la BO de ce court-métrage était une chanson de Big Flo et Oli? C'est la cartouche! C'est la cartouche! On a changé quand on a trouvé la cartouche! Cartouche de Super Mario. Cash. Oh! Oh! Je vais avoir besoin d'une précision. Je peux pas accorder la réponse comme ça. Oui. Ils sont oui, il y en a... C'est le 1 ou le 2, quoi. Ou le 3. Pas, ou le 4. Mmh... Ou le brosse. En fait, cette cartouche a une particularité. C'est le premier exemplaire. Ouh, c'est beau. Le 2. Super Mario. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh, yes. Bien joué, je l'avais pas, ça, par contre. C'est le tout premier Mario. Sortez de l'usine, quoi. Donc là, vous prenez 6 points. 8 à 6. Est-ce que c'est le premier, juste le jeu de la première édition? Oui, mais parce que c'est son menton. Mais je te jure, regarde bien. Mais il a grandi de plus en plus. Ah, regarde, il revient. Ça revient discrètement. Oui, même sur les tournages, il fait toujours des pranks bizarres. Il fait des trucs tout petits. C'est bizarre, ce que vous dites. Vous avez baisé sur ce canapé? Pas encore. Bah non, c'est... Oui, je le taf, c'est probable. Est-ce que David et moi avons baisé une fois ensemble? Oui. D'après vous? Non, par contre, vous êtes déjà embrassé les queues, c'est sûr. Les queues? Les queues, ouais. C'est quoi ton tatouage? Ça m'en branle. Non, je suis... T'as le droit de me dire un truc méchant. Crapule, va, là. Alors, je vous propose de jouer. Humour. Outre les vidéos What the fuck venues de Russie, Daniel le Russe est un gros fan de... Papa. C'est chaud. Bah ouais. De vodka. Alors, bon, la question est très dure. La question, elle est... Ah ouais. Je vais vous dire, je pense que Daniel le Russe lui-même ne sait pas. C'est gravissime. Vas-y, QCM. Ça vient tout de suite. T'as le contact, normalement, les gars. Ouais. Free Fight. Rap. Monster Truck. Rap, ouais. Rap. Moi, je dirais rap. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Ils prennent de l'avance. Hein. Bravo, bravo, bravo. Ils sont à 8, 9, 10. Ah là. Ouais, ouais. Allez. Un petit lifestyle. Un petit lifestyle. Oh, oh. On est parti. 1, 2, 3. Soleil. Le jeu le plus... Ce jeu. J'adore. Attends, mais en gros... Non. J'adore le jeu 1, 2, 3 Soleil. Je veux pas avoir de cancel de la part de la communauté 1, 2, 3 Soleil. Mais les gens qui trichent à ce jeu me rendent fou. Mais tricher à un jeu, hein. C'est force occlusée dans les petits mouchoirs. Tu crois que je t'ai pas vu, petit tricheur de mes deux? Et dans Squid Game, je veux dire, ils trichent pas parce que... Non, mais... Boum. Oh. Ah bah. Et vous avez vu que MrBeast a refait Squid Game? Oh bah. C'est vrai? Il y a oui, longtemps. Oui. Dur.
Oh ! Osez ! Quels sont les deux youtubeurs formant le duo Les Deux Roues ? Quoi ? Quoi ? Ah ! Ouh, pointu ! Est-ce que vous voulez le QCM ? Ah bah oui ! Ah, je sais ! Attends, non ! Je sais ! Ah. Non, non, arrête, arrête ! Sois bon joueur. Estelle Fitz. Oh ! Et Elliot. Ouais. Je crois que c'est ça, ouais. C'est ça. Oh, waouh, wow, putain ! C'était ouais. Incroyable ! Mais qu'est-ce qu'il... Waouh ! C'est mon So Urban Girl, son pseudo est Estelle Fitz. Non mais c'est sûr, lui il est fort, et lui il est fort de cette époque. Mais là par contre ça me glace le sang, je suis terrifié là. Ouais, le regard peut-être. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Tu connais le vrai prénom de Mr. V ? Vince Wegg. Vince Wegg. Non, c'est allez, pas on ça. Enchaîne les gars, allez, comme ça on peut faire une remontada si vous ratez. Mr. V. Mets-nous un petit gaming en dur. On va prendre que des diamonds pour être allez, dans l'esprit du jeu. Allez, diamonds, reste des cartes. Que représente le tout premier tatouage de Squeezie qu'il s'est fait faire en Colombie ? QCM, non ? Un crabe avec un chapeau, une araignée avec une cravate, ou un satellite. C'est pas le satellite. Il aurait pas mis une cravate à une crabe araignée. Crabe-chapeau. Ouais, je dirais, il aurait pas fait ça. Il me décevrait pas comme imaginez ça. Imaginez juste les tatous. Les tatouages s'affichent tels que je les imagine. C'est soit le crabe, soit l'autre, soit le satellite. J'irais. Ah ouais, oui, c'est ça. Ça doit être un des trois. C'est l'autre. J'irai vers le crabe-chapeau, moi. Franchement. Ouais, crabe-chapeau. Crabe-chapeau. Attends, est-ce qu'on gagne ? C'est bon, c'est bon. On joue plus du tout, c'est là. Ouais. Bon, bah, trois boules. Fin du jeu. Prends le bas de combat. Prends un divers en diamond. Jusqu'en quelle année YouTube a été bloqué en Chine ? Cash 2015. Rideau. C'est rideau. C'est 2009. Ok. Mais c'est osé. C'est ah oui. Bah, c'est pour gagner. C'est vrai, mais non. Comme vous pouvez le remarquer, la télé, ça paye quand même beaucoup moins que Internet. Voilà. Vérifie le billet. C'est un vrai billet. Dès que je vois un billet, je suis attiré. J'y vois un kebab. Oui. Ouais. J'y vois un peu d'essence. Un peu beaucoup. J'y vois un peu de mon adolescence. Oh. Et j'y vois un baobab. Mais là n'est pas l'essence du sujet. Ok. Poudre magique. Un peu pour moi. Tu emplis la matière. Tu condenses les atomes. En 4, en 8, en 16. Et là, je vais même plier en 32 comme ça. Et là, il n'y a plus qu'à déplier. Tu vois. Oh, c'est pas vrai. Merde alors. Par contre, c'est le puits de la richesse infinie. C'est la richesse infinie. Ça m'énerve. Tu vois, comme ça. Oh là, je suis. Je sais pas. Voilà, on y va. C'est ouais. Parti, regarde. Tu plies en 2, tu plies en 4, tu plies en 8, tu plies en 16. Et là, il n'y a plus qu'à déplier. J'y vois plein de thunes. C'est super ça. C'est pas super, c'est incroyable. On passe ça pour les équipes. Et tiens, putain. Tu peux vérifier. C'est chaud. Mais c'est un vrai. Et je crois que j'en ai jamais eu dans ma main des 100. Je te jure. Bien ça, vrai. C'est un vrai ça. Oui. Pourquoi une petite fenêtre dessus c'est Tu vois à travers le billet de 100, je savais pas. David, le tour de magie. Pardon, est-ce que tu vois c'est malade. Tu sais à quoi tu vois si c'est un vrai ou pas. Parce qu'il y a du magnétisme dedans. C'est-à-dire, t'as une bonne magnétique ici. C'était très magnétique comme je le suis. Tu peux faire ah ça. Oui. Il a dit ah oui. Oh merde. Eh ben oui, mais t'es pas le seul, mon petit loulou. Parce que alors là, ouais. Eh ben, effectivement, eh ben, t'es incroyable, y'a pas de soucis. Oh merde. Mais le magnétisme, il est là aussi. Allez, on va peut-être avoir une chance de faire une remontada. Allez, le petit cri de guerre. J'aime les couches. J'aime les couches. Humour, culture, gaming, lifestyle ou divers. Soyons osés, faisons lifestyle. On prend quoi, un 2, un gold. Silver, non, gold, diamond, ou diamond. Diamond, diamond. Diamond. Bah, ouais, on veut gagner quand même. Diamond. Alors à quel âge Mademoiselle Gloria a-t-elle débuté sur YouTube? Oh là là. Mais pourquoi t'as pris diamond, pourquoi c'est chaud. T'écoute. Ah oui, parce qu'ils ont eu 10 minutes à perdre. Cache, 13 ans. Elle n'est pas dans le fond. Ah non, ça aurait été incroyable. C'était 14, 15 ou 16. Oh merde. Pas loin. Et la réponse cool est 14. Ah, oui, oh non 14. On me l'accorde quand même. Non. Ok. Le petit travail d'équipe entre nous. Putain, ça boule. Si vous répondez bon à cette question, je vous offre mon manteau. C'est gagné pour vous, les gars. Okay. Vous visualisez humour, culture, gaming, lifestyle ou pipi? Non, c'est pas ça. Coupez tout, on peut pas. On peut pas là. Faut s'arrêter là. Ouais. Oh, je suis parti carrément live, pardon. Ah non, mais parce qu'on avait dit, on se lâchait, je suis peut-être parti en ouais, peu. Mais non. T'imagines la catégorie. Baisse de vitesse là, quand même, parce que... Les gars, il a juste dit. On peut arrêter de parler d'autre chose parce que ça... Faut changer le mood parce que là. Ah ouais. Je crois que je pourrais même plus être sérieux une seule seconde. On va prendre humour en diamond. Allez. Dis-moi stop. Non. Allez, c'est toi qui l'as dit, mon poteau. Parmi ces trois vidéastes, qui a été cancel?
mercredi. Ah. Ah bah les trois. Donc, quel est le nom de la série audio lancée par Antoine Daniel en 2017? Tu l'as en cache. Tu t'es sûr? Ah tu vois? Oh, ah, il est en ours. Il peut rien se passer de plus. Peut-être la réponse qui va sortir. Oui. Oui, allez, oui, dites-le. Oui. Embrassez-vous, putain, que vous faites ça. Vanilla Sky. Vanilla Cloud. Vanilla Cloud, cache. C'est Cloud, c'est Vanilla. Cloud, Vanilla. Je l'ai dit, j'ai dit Cloud Vanilla est inversé. Ah bon? Ça veut dire que le oui, jeu mais continue. Oui, on aime le challenge. Et qu'on a une chance de... Bon. Bah non. On sait jamais. Non, on sait jamais. Les cartes sont rebattues. Eh, hey, venez, on arrête tout, on s'écoute le donjon d'Albuck. J'étais dans mon village réparé des chaises en bois. Ah, on peut gagner. Je vais imiter un truc, regardez. Totalement gagné. Totalement Tom. En fait, d'abord, ça a commencé par demi-heure. Qui es-tu? Je voulais faire comme dans les reportages là, de 7 à 8 où ils ont la voix masquée. Oh, c'est... Oh ouais, voilà. Je peux essayer? T'es un peu malade. Fais gaffe. Si t'as pas l'habitude, ça fait. Faut en prendre beaucoup c'est... et tu fais. En fait, ça a commencé par deux bières, je trois bières, et après, c'était beaucoup plus. C'est très dur à faire. C'est impossible de parler avec toi. Non, mais faut parler direct. Non, mais... Ah. J'ai pas compris. Non, on va parler direct, on l'a estimé dans la gorge en fait. Laisse tomber, dans la gorge, mais j'avale pas ça. Il fume. Ah, mais faut. Moi j'avale pas. Allez, sexe. Et en parlant de déformation de voix, si on se compresse très fort la glotte, ça fait une voix toute marrante. Salut, c'est Moustico. Salut, c'est Gérard. Gérard Bast. Et en fait. Les cons. Ne faites jamais. Bah, j'ai inspiré de la fumée, en même temps je me suis serré là. Je me suis serré là. De l'eau, l'eau. De l'eau. Je vais chercher de l'eau parce que. En fait, faut pas faire les deux en même temps. Hein. Sinon, tu fais une voix normale. Si tu fais grave plus aigu, c'est normal. Hein. Oh non. Oh non. Oh non. C'était sûr. Oh non. On a eu ce studio depuis si peu de temps. Et tu voulais faire quoi? Mais non. Non, David est... non, David est pas content. David est pas content. Je suis pas content pour le canap. Mais tu t'attendais à quoi? Je suis persuadé que je pouvais faire un trick au-dessus. Bien sûr que non. C'était sûr déjà qu'il tenait pas bien. On le réparera, David. Il faudra essayer de voir quelque chose maintenant, peut-être, parce que là... Oh, mais on le fera après, t'inquiète pas. Vas-y, assieds-toi dessus. Non, mais non. Dans la description, il y aura une petite cagnotte pour mettre, si vous voulez, pour racheter un canapé. Oh, les youtubeurs qui se foutent de la gueule du monde. Petite cagnotte. Venez, on fait, venez, on fait. On fait, on va. Venez, on le fait. Une petite cagnotte. On a des sous. Oui. On pourrait largement le faire, mais on va faire une cagnotte litchi. Un peu flemme d'utiliser notre thune. Diamond d'hiver. Mais pourtant, on est en été. Alors, tu vois, j'ai pas osé la faire. Il y a plein de choses que t'oses pas. Ah, c'est vrai. Genre faire ça? Non, 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 je te supplie pas. Il cherche juste à le casser. Quelle chaîne française qui arnaquait ses abonnés, notamment dénoncée par le roi des rats, qu'on salue, a été fermée par YouTube en avril 2018. Code for LAN, le raptor dissident. Mais attends. Bête. En vrai, pour le coup, oui, on l'a pas. Il y a tellement de gens qui sont faits comme ça. Alors, Code for LAN, Swan the Voice et Neo the One, ou le raptor dissident? Code for LAN. Ouais, Code for LAN. Bien joué. Oh, enfin, 3 points. Putain, oh, là, ça leur rajoute non, mais on les... aucune complicité. Bravo. Aucune cohésion. On repart sur humour. Diamond. Diamond, bien sûr. Quel youtubeur imitateur porte un nom flamboyant? Ah. Oh oui. Super Flamme. Putain, bien joué. Oh, cache. Enfin, je pense que c'est ça, je vais vérifier, mais je pense. Oui, oui. Donc c'est 6. Super Flamme, bravo. Et toujours dans la catégorie humour, est-ce que vous devez dire Silver, Gold ou Diamond? Diamond. Allez. La team du Whoop est composée de combien de membres? Alors, Hakim, Yvick, Hakim Jemil, Hakim tu l'as déjà dit. Oh l'élève, Jérémy Detlo, l'élève. Hakim. Alors Hakim, Hakim Jemil, Yvick, Hakim. Concentrez-vous les gars, concentrez-vous. Hakim, Yvick, Jérémy Detlo, Mr V, Hugo. Il y a le mec qui rappe. Il y a ce mec dont j'ai pas le nom. Malcolm. Et Malcolm. Ce mec j'ai pas le nom et Hugo. Rajoutez Thibaut Inchep. Alex Good, Carmen Electra, donc Bon Jovi, Pac-Man. Ça fait quand même 5 mecs en plus dans le 7. 7, ils sont 7. C'est monstrueux, c'est le bon chiffre, bravo. Bah c'est Youssoupha Diaby. Youssoupha Diaby. Vous avez gagné 21 points. Oh ah. Mais non. Ouais, c'était un 6 points. Bah
15 plus 6, 21. Je suis à la bachung. Attends, je défais ton lacet, c'est un peu délirant. Non, mais bravo, les gars. Marche, et après, boum, bam, boum. Bravo, les gars, la remontada. C'est une remontada inespérée, je n'y croyais pas. Ouais. Débrief sur le jeu. Franchement, cool, le jeu. Bon moment. Pour moi, il mériterait d'être mis à jour, tout simplement. Oui, bah, ouais, c'est ça. Un peu de ride, quand même. Oui. Il est un peu ridé, par définition. Mais la version Alex Tességuir... Comment il s'appelle? Alain Puisségur. La version du YouTube Quiz en mode 2023-2024, il y a de la matière. Une application suffirait, mais... Oui. Alors si, par contre, j'ai un cadeau pour les gagnants. C'est que vous repartez avec le jeu. Oh chacun. Ah mais je suis voilà. Ça, c'est trop à bras raccourcis, comme on dit. Ouais, bah, j'avais prévu. Non, franchement, le jeu... Moi, je suis pas d'accord qu'en mode digital ou quoi. Je trouve que c'est trop bien. J'adore les jeux de société de plateau comme ça. Non, mais c'était histoire de faire un commentaire, ouais. Il est pas content d'avoir perdu. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi aussi. Les gars, merci d'avoir joué à ce jeu. Merci d'avoir créé ce jeu. Une petite mise à jour ne serait pas de refus. À très bientôt. Salut, c'est la fin de la vidéo.